Mais vraiment, j'étais à waouh, un silex et tout, c'est chaud et tout. Mais putain! Mais bordel! C'est pas grave, c'est ok, ça se fait, c'est easy. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Ça veut dire quoi l'éléphant en haut à gauche? Alors en fait, j'ai battu un temple, en gros, qui était un gros éléphant que j'ai libéré, Ruta. Et en le libérant, il y a Mipha, un personnage mort, qui m'a laissé un pouvoir, qui m'a donné un pouvoir, qui est ce pouvoir-là, qui fait que quand je meurs, en fait, je meurs pas vraiment, je ressuscite avec encore plus de cœur que quand j'étais, que avant de mourir, en fait. Mais il se recharge avec le temps. C'est pour ça que tu vois que des fois il brille, etc. Tout simplement, ça veut dire ça, l'éléphant. Alors. Je suis giga focus. Ah mais il y avait peut-être un... Il y avait peut-être un... On regardera, mais il y avait peut-être un coffre de l'autre côté. Bon, on va voir. Merde, j'ai décalé la bombe. C'est pas grave, normalement elle marche quand même, je crois. De là? Ouais, je pense qu'elle marche. Ah bah non, du coup là ça ne marchera pas. Ah quoi que si. Il y a un coffre ici. Oh là! Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a un coffre ici. À mon avis, il faudrait que je tente un move un peu clutchy de ma part, mais qui peut fonctionner. Ça tourne dans quel sens déjà? J'ai déjà oublié. Non, on va peut-être pas envoyer une flèche. Oh là là, oh non, j'ai plus de flèche. C'est dur là-dessus, j'ai plus de flèche. Bonjour monsieur Ponce, vous ressemblez beaucoup à un homme que j'ai connu qui s'appelait Poncefesse. Ah, on me le dit souvent, ouais. Ah merde. Et si je saute là? Ah non, mais je peux repasser. Ah, ok, je sais ce que je vais faire. Ça va être un peu lent, mais ça peut le faire. Ah ouais, propre. Oh, propre. Ah, c'est le misclic qui pardonne pas, hein. C'est sûr, c'est sûr, hein, ça pardonne pas là-dessus. Hein. Ah, c'est mérité de ma part, hein, la mort là. Pas de problème. Un vrai héros, quoi. Un vrai héros, Ponce. J'en ai marre de ma vie. Ok. Enfin, j'en ai marre de ma vie, on se comprend, mais...
Et du coup, là, je sais pas dans quel sens ça tourne, en fait, c'est ça qui me stresse. En fait, je suis un peu... Ah, j'aurais dû check avant. Ouais. Ah, mais même ça, j'ai pas la portée, en fait. Non, c'est pas ça. J'ai pas la portée. Ok. J'ai pas la... Ah, bah là. En fait, faut que je monte là-dessus, mais du coup, comment? Faut que j'y retourne, faut que j'y retourne. Il va se briser, non? Ok. Ok. On va plutôt utiliser les boucliers de naze, hein, pour ça, en vrai. Regardez, vous voyez le bloc là-bas qui tourne? C'est ça qui m'intéresse. Alors montre, donc là, il va revenir. Je le vois pas. Il revient, si je monte dessus et que je saute, en vrai c'est faisable. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, faut que je le mette en dessous. Je le mets en dessous. Et donc la prochaine fois, il va remonter. Et par contre, quand il remonte, effectivement, faut que je fasse quand même très gaffe. Mais j'ai complètement choc. Ok, je viens de comprendre un truc là. Je viens de comprendre un truc. Toute ma vie est remise en question là-dessus. Oh, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça n'y paraît. Hein. Commencez pas à être choqué, tout ça. C'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je crois que je peux aller directement sur le côté. Je tombe dessus, je crois. Regardez, si je vais... Je vais regarder là quand il remonte. Ah, en fait, je peux sauter dessus quand il arrive comme ça. En fait, faut que je sois juste confiant. En fait, faut juste être confiant. Allez, fais-toi confiance, Ponce. Ah mais comment se faire confiance à soi-même quand on pue la merde comme ça, c'est chaud. Regardez, là en fait dès qu'il arrive, faut que j'aille dessus. Bon, je me suis... Ouais. La confiance parfois, ouais. Un peu trop confiant là-dessus, j'avoue. Un peu trop confiant là-dessus, sur cette chute-là. C'est chiant. C'est chiant. Un peu rapide, ouais. Un peu trop confiant, ouais. La confiance... Ok, on y retourne. Hop là. Tout ça pour un coffre, oui bien sûr, je sais, tout ça pour un coffre où ça va être une énorme merde. Mais après c'est pas grave parce que mon but c'est juste d'avoir le coffre parce que voilà, j'ai envie d'avoir le coffre. Je sais ce que, je sais, mais vraiment je en suis persuadé. Dans le coffre je vais choper deux rubis, je vais être en mode yes, c'est énorme. Mais je veux juste les coffres en fait, c'est tout. C'est le jeu en fait, c'est juste le jeu. Non en vrai vous comprenez cette envie de coffre. Vous comprenez. Rassurez-moi. Un silex. Oh, un silex, je serais pas déçu, hein. Merde. Quand j'étais petit, je croyais que le silex était une pierre rare. Véritablement, je croyais que c'était incroyable le silex. Mais vraiment, j'étais à waouh, un silex et tout, c'est chaud et tout. Mais putain! Mais bordel! C'est pas grave, c'est ok, ça se fait, c'est easy, c'est. C'est le mental en fait, c'est le mental. C'est le mental. Aussi rare que le caramel. Non mais en fait c'est ça. Pour moi quand j'étais petit, le caramel c'était rare, c'était une denrée rare et incroyable. Et effectivement ouais, pour moi le silex c'est un peu comme le caramel ouais. Le silex aussi je croyais que c'était une denrée. J'en ai un peu marre de ce donjon là j'avoue. Non en vrai je kiffe trop mais jamais 203. Allez cette fois c'est la bonne. J'ai peur.
où j'ai sué des fesses. Attention, tout ça pour une lance d'écaille. Je suis refait. Je suis vraiment refait. C'est énorme. Hein. L'épée du voyageur, elle est pas mal en vrai cette petite épée. J'aime bien. Puce sa mère. Non, en vrai ça va. Bah, mais je me sens obligé de le prendre pour prendre le coffre quoi. Et là, le pire. Attendez, j'ai envie de rigoler. Imaginez si je reviens. Ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme que juste... Juste un petit pot là, comme ça, ça marche. Ça aurait été énorme. Mais non. Heureusement. Heureusement. Ok. Non, 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 partez toutes d'en haut déjà. Avec toutes les boules. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vais juste faire pop celle-là. Tu peux le faire. Non. Prop là-dessus. J'ai tous les coffres. Ok, nice. Oh, je les enchaîne, les sanctuaires. Je les enchaîne. Le maître des boules. Bah, c'est pas nouveau, hein. En gros, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce que Ultia disait dans le chat, c'est que, effectivement, en gros, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je trouvais le caramel, je trouvais ça tellement bon que je pensais réellement que le caramel, c'était rare, en fait. C'était un peu comme l'or, mais à manger, quoi. Je pensais vraiment. Après, je me suis rendu compte que c'était juste du sucre. Hein. Et j'ai vite compris, quoi. J'ai très, très vite compris là-dessus, j'avoue. J'ai très, très vite compris. Hein. Mais c'était un peu pareil avec le silex. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, je me disais, putain, le silex, quand même, stylé et tout. Pour moi, c'était mieux que le diamant, le silex, quoi. Pas vraiment. Je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment mieux, ouais. C'est quoi ce chemin là? Enlève la marque. Non, parce que ça c'est la tour. Mais en fait, la tour, j'irai jamais, on est d'accord. Cette tour là, elle est où? Elle est tout là-haut. Non, non, mais c'est mort. Cette tour, j'abandonne direct. Hein. Ton histoire avec ton Pocket Pikachu reste quand même top 1 des anecdotes d'enfance. Ah, c'était un sacré moment de ma vie, ouais, effectivement. Effectivement. Ok. Peut-être qu'avec de la bouffe discretos, ça peut se faire. Après, sinon, j'ai de l'autre côté, hein, j'ai des objectifs aussi. Hein. C'est la zone 51. Raconte Pikachu pour les incultes. Ah, c'est un peu long à expliquer, mais en gros... En vrai, c'est trop long, c'est trop long. Un jour, je la raconterai, je pense. Mais là, j'avoue que je suis un peu focus, j'avoue, sur cette tour qui est impossible. À moins d'avoir de la bouffe qui me rend très discret. Regardez-moi ça. Pendant 8 minutes 30... En vrai, ça peut le faire, hein, je pense, avec ça. Je suis sûr que ça le fait. Par contre, j'ai l'impression que ça, là, ce qu'on voit ici, j'ai l'impression que c'est un chemin plus simple pour y aller que escalader cette merde. Ah ben non, il y a là aussi. Vous avez confiance en moi? Ok. Ok, j'ai pas dans quoi vous êtes lancé, mais si vous avez confiance en moi, c'est vraiment, 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 vous êtes les plus belles fleurs, parce que... Avoir confiance en moi pour monter en haut de sa tour? C'est chaud.
Mais bon, je vous remercie pour la confiance et on va essayer. Oh non, pas les loups. Comment je peux devenir l'ami des loups? Oh non, il appelle les collègues et tout. J'ai enfin pu acheter Fire Emblem et je le reçois vendredi. Fini de me faire spoil et de rager en regardant tous les streams Fire Emblem. Tu vas te régaler. Honnêtement, le Fire Emblem est tellement bon. Je l'adore. Je l'adore, vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas, là? Ça se bat. C'est quoi ces bruits de pas? Attends, mon objectif c'est aller tout là-bas. Waouh. Avec Rivendi? Non, je pense pas, parce que Rivendi, il fera du bruit. Alors, ok, j'irai vite, mais Rivendi fera trop de bruit, je pense. Faut que je regarde pour un accès un petit peu scred. Ah, il pleut. Ok. Elle est où, la pierre manquante, là? On n'est pas pour un con, il manque une pierre et je... Juste, elle est où la pierre, s'il vous plaît? Elle est où cette pierre? Oh, je crois qu'ils ont mal codé le jeu là. J'ai peur de confondre des racines avec des pierres. Ah mais je peux cinétiser ça, ça peut m'aider de ouf par contre, hein. Il n'y a vraiment pas de pierre en fait. Il n'y a vraiment aucune pierre. Oh, il y a vraiment un truc là. Oh, c'est énorme. Oh, j'ai envie d'y aller du coup. LOL. C'est cette pierre, bien joué ça. Ok. Comment tu vas? Salut Jucolien, ça va et toi? Ça va très très bien, hein, ça. Regarde, tac. Elle est pas très bien mise, hein, j'avoue. Elle est pas très très bien mise. Ok, petite noix là-dessus, et je suis désolé, mais là, j'ai vu un truc, ça me donne trop envie d'y aller. On va y aller, c'est là. Ça va me faire perdre du temps, mais c'est la vie. Il y a forcément un truc à faire ici, c'est impossible autrement. Cette plaque n'a pas été mise là par hasard. Non. Ah, je peux juste sauter dessus, ça je savais pas par contre. Énorme. Énormissime ce que je viens de faire là.
l'enfer. Oh l'enfer. Non, les manches, je peux pas, j'ai déjà testé. Ok, est-ce que je peux retourner? Non. Merde. Oh! Un sanctuaire! Oh là, oh là, oh là! Oh là 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 là! C'était très chaud là-dessus! Mais je vois un sanctuaire, donc j'y vais en fait. Ce qu'on finit le jeu, globalement, après, il n'y a plus rien à faire. Bah, il y a des DLC, et puis il y a le finir à 100% si t'as vraiment envie, quoi. Je pense, hein. Adieu, balise jaune. J'avoue. Non, mais on l'oubliera jamais, la balise jaune. On l'oubliera jamais, c'est... Mais je veux dire, là, je suis désolé, c'est sanctuaire. Il est horrible, ce jeu. Tu fais jamais tes objectifs. Il y a toujours un truc que tu vois traîner. Mais c'est ça... Justement, pour moi, c'est ça qui fait que le jeu est incroyable. Il y a des milliards de trucs à faire. C'est genre, justement, c'est insane. Enfin, c'est ce qu'on veut, en fait. Enfin, moi, c'est... Je me régale. À pas faire exactement, à pas suivre une route droite, j'adore. Salut Ketsuga, j'adore ça. Salut Yuki aussi. J'adore ça, moi, j'adore ce... Bah c'est l'open world, hein, c'est le principe. Hein. Moi je me régale. Et même à le live, oh là là, j'adore ça, c'est trop bien. On est calé là, on se régale, on fait de la merde, on galère pas, on réussit pas, c'est trop bien. C'est trop bien. Après, je peux comprendre qu'on aime pas ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent peut-être des jeux un peu plus serrés, close, etc. Il y a des gens qui préfèrent, ouais, clairement, suivre un truc tout fait, etc. Les open world, ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Puis en plus, c'est pas toujours bien fait. Mais là, c'est bien fait, je trouve. Pouvoir des flammes. Je trouve que c'est ton meilleur live avec Mario Kart. Bah tant mieux, c'est cool. C'est cool en vrai. Bon, évidemment, faut que je mette feu à tout ça, mais en fait, ce qui me pose problème, c'est que moi, j'ai plus de flèches là. J'ai pas une torche. J'ai pas une arme en bois. Il ne se passe rien. J'ai pas de torche. Perso, j'aime les jeux linéaires comme Uncharted ou God of War, mais ce Zelda, j'ai adoré la liberté. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Bon bah écoutez, non, j'ai pas de masse, je crois qu'il puis. Je crois que j'ai pas de masse qui peut le... La masse. Ah ouais, oula. La flamme olympique. Salut toi! Tu sais que je vais juste te pulvériser ou pas? Tu le sais ça. Pas ouf le mob là. Pas ouf j'avoue. Tiens. Je peux faire tomber ça, mais là le problème c'est que... Est-ce que si j'envoie par exemple cette arme là, ça peut couper potentiellement. Propre. Je peux récupérer mon arme après ou ça se passe comment là?
C'est full flamme, hein. C'est full flamme, full flamme. Même pas besoin de brûler ça. Hop là, pas se prendre la tête, hein. Oh bah. Oh bah tant qu'à faire. Eh bah tant qu'à faire, on peut s'en servir pour tout casser en fait. C'est très bien ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, ça, ça servait à rien. Par contre, oui, effectivement. On va brûler ça, on va voir ce qui se passe. J'arrive pas à le casser. Viens là. Nice. Je sais pas ce que ça va faire exactement. Ah si, ça va faire tomber la... Eh oui, c'est des caisses en bois, donc ça va ouvrir. Oh non. Ah bah ça alors. Ah, c'est la stratégie à la bourrin, hein. Voilà. Voilà. Je vais garder... je vais enlever un arc. Bon, celui-là. Hein. Même s'il augmente mon attaque de manière... Bon, allez, celui-là. Apparemment, c'est le destin. Mais non, mais... Mais c'est pas possible. Il veut vraiment, vraiment, vraiment rester avec... Non, je veux le coffre, moi. Ok, maintenant, je veux juste voir si j'ai tous les coffres. Oui, j'ai tous les coffres, il n'y avait qu'un seul coffre. J'ai tout, j'ai plus qu'à chercher ça. Voilà. Wouh ! Il n'y avait pas moyen de mettre directement le coffre sur le truc activé. Si, je pense que ça fonctionnait aussi, en vrai. Oh, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses, hein. Je sors de 2 heures de conduite, bientôt le permis. Trop peur de pas l'avoir. Courage. Courage à toi si tu passes le permis. Moi, j'avoue que j'avais fait la conduite accompagnée. Ça carie de ouf. Ça carie parce qu'en fait, t'arrives le jour du permis. Et honnêtement, bon bah, tu sais conduire, quoi. Donc, tu stresses pas trop et tout, c'est ok. Moi, je l'ai réussi aujourd'hui. Oh, bah, GG, Final Finster, ça. GG pour ton permis. C'est très bien joué de ta part, ça. C'est propre. C'est très propre. Si jamais tu as besoin de feu... Ouais, je peux taper un silex avec une arme en fer. Effectivement, t'as tout à fait raison. Fais la ref. Mais après, je crois que j'ai pas beaucoup de silex. Je crois que j'en ai un. La conduite accompagnée, le truc des parents riches. Faudra m'expliquer la logique du coup. Va vraiment falloir m'expliquer la logique du coup. Le truc des parents riches, la conduite accompagnée. J'ai pas compris là. Pas compris du tout. J'avoue que ça coûte super cher de faire conduire son gamin. Je vois pas du tout. C'est le même prix, hein. Oh, ça va être chaud là par contre. Ça va être très très compliqué là. Bah, c'est même souvent moins cher vu que tu le rates pas. Du coup, tu n'as pas des heures de conduite à faire. Mais ouais. Attendez là. C'est très chaud là. Ce qui est en train de se passer pour moi là, c'est très très tendu. Non mais... ouais, bien sûr. Oh là 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 là, mais ils sont combien?
Oh, en gros. Arrête, arrête d'appeler les collègues. Oh là, c'est la mort là. Non. Il y a des armes, je crois, à récup. Ok. Oh, waouh, 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 allô, waouh, on arrête tout, on, ouais, c'est quoi cette arme, mon pote? Attends, toi, tu, je, ok, oh là là, mais comment j'esquive ça? Ah, je vous jure, j'ai essayé de sauter, ah ouais, non, c'est inesquivable. Oh la claque que je peux prendre. Prends ton bouclier. Mon bouclier, jamais il arrête ça, non? T'es pas équipé pour les mobs de la zone, faut que tu rush. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça, ça se fait. Tout se fait dans ce monde, tout se fait. Faut esquiver en arrière et pas sur les côtés pour les attaques horizontales. Mais là, même en arrière, j'ai l'impression qu'il me touchait, en fait. Il s'est amusé de moi. Si tu es bon, ça se fait. Honnêtement, je pense que ça se fait, oui. Ah, on repart d'ici. C'est le pont de tout à l'heure, ça. Si t'esquives... En fait, je savais pas comment esquiver... C'est la première fois que je vois un mob comme ça. Hein. Et je savais pas comment faire pour esquiver un mob comme ça, en fait. J'avoue. Avec son arme, je savais pas s'il fallait que je fasse esquive derrière. Mais du coup, il fallait que je fasse derrière. Mais elle est immense, son arme. T'es dans une région mid-late game, en vrai. Tu devrais au moins chercher des cœurs en plus. Tout se tente. Ah, mais j'avoue, faut que je les cinétise aussi. Tu sais que j'oublie que j'ai cinétise plus pour les mobs. J'oublie complètement. Faut voir aussi quelle arme je vais utiliser. Peut-être utiliser ça. Je sais pas si... Est-ce que j'ai récupéré des flèches? Eh non. Peut-être foutre le... Ah, oh, je l'avais... Oh, je t'avais pas vu, gros. Oh là. Lui, je l'avais vraiment pas vu pour le coup. Ok. Ça, c'est bon. Oh, une petite flèche pour moi. Merci, bro. Ok. Ok, ok, ok. Il y a les gros... Oh. Oh merde, je crois qu'il allait s'avancer. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Ok, viens là, toi. Ok. La dracolance qui peut être pas mal, hein. Ok. Des petites flèches en bois. Où sont les autres? Il est où l'énorme, là? Wouh! Ah merde, mais... Wouh! Hop là, petite esquive et je ramasse ta flèche. Hop là, petite esquive. Aïe. Ok, je ramasse ta flèche, mon pote. Elle est où? Je la vois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tu tires où, mon pote? Hein? Ah, mais... Ah, mais ça cogne ici depuis tout à l'heure, en fait. Ok. Ah, mais il remonte?
Je suis toujours là, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils... J'ai peur. J'ai peur. Merde. Non! Ah, je suis vraiment le pire. Heureusement que j'avais mis fin. Ouais. Je suis vraiment le pire joueur par contre. Merci de me protéger, mais vraiment pour le coup, c'est vraiment pire joueur ever. Alors, je vais refaire pareil parce que j'aime bien cette espèce de protection que ça m'apporte. Allez. On frôle un peu le sol. Tac. C'est propre. C'est propre. Je veux le faire tomber en fait. Mais ça met pas. Mais tout le monde appelle tout le monde là en fait. Ils sont. Vous êtes des millions. Quoi? Attendez, alors là par contre j'ai pas compris, j'avoue que je m'y attendais pas, j'étais pas prêt du tout. Ah, y'a une troisième. Je suis juste en dessous, mec. Il est où? Il est mort. C'est énorme. Casse-pierre, cette épée Goron à deux mains forgée dans un métal solide ne peut pas trancher, mais son poids et sa dureté, telle qu'elle, permet d'écraser ses ennemis. Eh ben, je vais la prendre. Pour les potentiels cinétis, ça peut être pas mal, ou même pour les engage. J'aime bien. Non, je vais même jeter ça. Si, j'avais déjà affronté des mobs un peu comme ça, mais pas des aussi énormes en fait. Pas des aussi gros et non, j'avoue. Mais en fait, elle est un peu naze cette arme, non? Enfin, le casse-pierre en fait, elle est un peu nulle. Je crois qu'il y en a encore en haut. Nice. Oh, voilà, il est là. Il va me tirer une flèche. Ah, bien joué ça. Ouais, bien joué ça. Oh, la chute a été fatale pour lui. Hein. Et il y avait rien à récup? Oh non, j'ai rien récupéré. Si, en vrai, j'ai récupéré. Honnêtement, j'ai récupéré 9 flèches de bois. Ce qui est plutôt cool, j'avais 0 flèche. Il y en a encore une là, 10. Oh, j'avoue. J'avoue, c'est propre. Mais vous voyez que je peux le faire. En vrai, je peux le faire. Hein. Même sans esquive. En vrai, j'ai mis aucune esquive. Esquive, pardon. Strictement aucune. Des thunes là-dessus. Hein? Bon, en fait, c'est mieux. C'est l'arme que t'as en mieux. On est d'accord là-dessus, hein. C'est l'arme que j'ai en mieux, en fait. Parfait. Sauf qu'attendez, mais pourquoi on est allé là initialement? Je me rappelle plus pourquoi. Ah oui! On allait vers le vert? Non.
Mais parce qu'en fait, je suis dans une zone beaucoup trop, trop tendue là. Attendez, je vais aller chercher un petit biscuit, j'arrive parce que je commence à creuser un peu, j'arrive. Je réfléchis parce que là, effectivement, je suis dans une zone, je sens bien que j'y suis, mais je suis pas le bienvenu, quoi. C'est ça le truc, j'avoue. Je suis à deux doigts de retourner plus vers l'ouest et ou le sud plutôt. Parce que là, vers le nord, ça commence à être chaud, hein. À la base, tu devais faire la tour. Ouais, mais elle est trop dure, la tour. Elle est vraiment trop dure, cette tour, hein. Enfin, elle est trop dure, il y a tout qui protège. Là aussi, il y a une tour, mais c'est pareil. La tour verte, elle est où? Ah! On va tenter ça. Ok. On va tenter ça. Ok, la tour verte. Ok. Ok. Ouais, on va tenter ça! Salut, Frulu! Je tente de le tuer avec mon... Ah ouais, mais ça va détruire mon bouclier. Et si je passe sur le côté? Pas évident quand même, hein. Je vais passer sur le côté. Ok, un petit bouclier rouillé, flèche en bois. Ça c'est naze, hein. C'est quoi? Drac lance mobile. Ok, pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, oula! Oh, ça brûle, hein! Je vais pas rester longtemps avec vous, non, je trace. Par contre, ça fait bader, c'est quoi ça? Ils sont énormes ceux-là! Ils vont m'attaquer? Non. Vous allez pas m'attaquer. Non. Oh là! Oui. Il m'attaque pas, non ça va, c'est safe, c'est safe, c'est safe, je suis en train de le faire là. La tour est là. Oh là. Pourquoi il me te retourne? Mais arrêtez de me tourner. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que je peux cinétiser les mobs, faut pas que j'oublie ça. Le rond vert, c'est mon endurance, Frulu. Il a l'air de faire bien chaud ici, hein, la chaleur. Ok, non, non, ça va en vrai. En fait, non, je viens de regarder le thermomètre et ça va. Jamais été aussi bien dans la game. Ok, on continue. Pour le moment, je suis juste le meilleur escaladeur d'Hyrule. Ça m'a l'air complètement faisable, ça. Après, j'avoue que s'il y a des gardiens, peut-être qu'ils vont me capter là. Oh, si je peux avoir celle-là. Je suis juste le boss. J'annonce une déception suivie d'un rip. Un bon? J'ai pas l'impression là. J'ai pas l'impression.
Salut Smaffen. One Smaffen. Salut Totit. C'est insupportable, ça donne envie d'y jouer, mais j'aime pas Zelda. Ah mais c'est débile, c'est idiot du coup des mix en vrai. Enfin c'est dommage. Ça donne envie d'y jouer, mais j'aime pas Zelda, mais enfin... C'est un peu dommage, non, peut-être? Justement. C'est peut-être le moment d'aimer Zelda. J'en sais rien. Oh. Et le moment, les meilleurs moments de ce Zelda. La goutte. Et voilà. Ok, donc cette zone là. Ok. Ok, cette zone là, c'est juste des volcans en fait. Montagne de la mort. Ça donne très envie, chaîne d'ordi. Ok. Montagne de la mort, j'avoue, ça dit comme ça donne pas faim, quoi. En même temps, ça me donne pas envie d'y aller, hein. J'avoue que... Je vais juste regarder peut-être s'il y a des... S'il y a des sanctuaires, ça peut être intéressant, mais j'avoue pas en voir d'ici en tout cas. Après c'est pas évident vu qu'il y a plein de trucs jaunes, vu qu'il y a du magma, mais non, non, j'en vois pas. Bon, j'avoue que j'en vois pas. Et en face, il y a la tour de tout à l'heure, avec tous les trucs qui protègent, mais celle-là, je peux pas. Je ne peux pas en fait. Par contre, ce pont... Oh! Ce pont-là... Je suis un petit peu interloqué par ce pont, en vrai. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec ce pont. Merde, non, c'est là. Ça, c'est un pont déjà fait. Non, mais je pense que je rêve, j'ai déjà fait un pont en vrai. En vrai, j'ai déjà fait un pont. Petit sondage pour ceux qui l'ont fait, c'est quoi l'ordre des boss que vous avez fait? J'ai l'impression que 90% des gens ont commencé par l'éléphant. Bah ouais, je pense qu'on commence beaucoup par l'éléphant aussi parce que... tu vois, genre, le début du jeu te fait amener jusqu'au village là, là où il y a le laboratoire, pardon, Cocorico et tout. Donc potentiellement, l'éléphant qui est là, tu vois, il est pas très loin de tout ça, je pense. C'est peut-être pour ça, hein. Parce que le début du jeu quand même te fait amener à Cocorico et à Elimit. Donc c'est peut-être pour ça en vrai. Le chemin t'y mène, bon j'avoue que t'arrives assez vite ici quoi. Indirectement t'arrives assez vite, je trouve. Éléphant, oiseau, chameau et Goron. Moi j'ai la première fois que j'ai joué j'ai fait éléphant, chameau. Alors après j'ai pas fait la suite hein, mais j'avais fait éléphant, chameau. Enfin c'est pas chameau, c'est dromadaire. Non c'est chameau, je sais plus. C'est un chameau. Mais je crois que je vais aller, plutôt vers là du coup, parce que là, ça me semble être une zone juste infernale. Enfin, la montagne de la mort. Je suis désolé, hein, mais montagne de la mort, c'est pas très accueillant. Ouais, je vais juste aller là. Hein? Ah non, Renaissance, c'est là où on est apparu. En fait, je pense que je vais aller là.
Et je vais essayer de jump vers là. Ouais, je vais essayer d'aller vers là. Parce que pour le moment, j'avoue que ça me donne pas envie. Voilà, va falloir arrêter de me stresser là-bas. Je vais faire ça. Mais avant, effectivement, on va aller ici, aller chercher des petits des cœurs, etc. Ou alors à Cocorico sera plus rapide, ouais. Bon, c'est pareil en fait, hein. Non, je vais aller là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur le plateau du Prélude. Mais je pense que tout le monde commence par éléphant parce que ouais, effectivement, le jeu t'y emmène, hein. Je pensais tout, hein. Je pensais tout. Après, je connais pas les autres pouvoirs, mais le pouvoir de l'éléphant fait aussi que bah t'as quand même 2 vies quoi, c'est quand même pas mal. Enfin, t'as 2 vies, tu renais quoi. Donc c'est quand même pas mal. Pour bien start l'aventure, ça facilite pas mal de choses, je trouve. Quand même. Le reste de l'éléphant est trop utile, ouais, il est quand même très très pratique, on va. Ok, alors du coup, donc je vais voir la petite fée là-bas. Et une fois que je l'aurai vue, là j'irai. J'ai cru. J'ai cru à quelque chose. Passer par la fenêtre là. Qui a donc Golden Sun sur Switch? C'est vrai que Golden Sun c'était une bonne licence, hein. C'est vrai que c'était vraiment lourd. Hop, on peut passer par la fenêtre. Hop, c'est comme ça que je rentrais en cours de philo en terminale. Hop là. Prier. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends de l'enduit encore? Je grille de l'enduit ou je grille le cœur? Vas-y, je vais prendre un cœur en plus là. Et puis, par contre, je réponds aux questions du chat, mais j'espère que ça te dérange pas trop de backseat et de spoil. T'inquiète, t'inquiète. Quand je stream du Breath of the Wild, par exemple, ou ce genre de jeu, je fais attention, je lis pas le chat dès que je vois des phrases, etc., un peu suspect, je lis pas trop. Je fais attention, t'inquiète, t'inquiète. Bon, je vais prendre ça. Prendre un petit cœur. Ok, alors donc du coup je vais. Ouais, en gros je vais vers mon marqueur rouge. En gros c'est ça l'idée, je vais vers mon marqueur rouge. Je pense que je vais remonter tout là-haut. Tu peux faire passer le temps plus vite s'il te plaît, Ponce, pour que je puisse partir du taf. Aïe, si seulement je pouvais. Rebien public! J'accompagnais le petit Dimitri, j'espère que le petit Dimitri se porte bien. Ok, il fait froid.
J'ai des trucs pour tenir contre le froid là? Non. Ah si. Voilà. Lourd. Ok. Alors. Faut que je monte et que je saute de là-haut. Ouais, faut que je fasse ça. Salut Teddy. Question qui n'a rien à voir avec le stream, ça existe toujours le kappa doré. Le kappa doré, je crois pas. Je crois pas. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il était disponible le kappa doré. Oh là! C'est insane, hein, par contre, l'endurance que j'ai. C'est trop bien. Qui attend Animal Crossing sur Switch? Bon, je pense qu'on est pas mal, hein, moi. Mais je pense qu'on est pas mal dans le chat à attendre quand même Animal Crossing, j'avoue. Bon, je vais sauter en fait. Je vais juste sauter dans ce paradis. Salut Coco, ça va et toi? Bon, tu penses qu'ils vont sortir quand leur prochaine console Nintendo? Je parle pas de la Lite. Et s'ils vont faire une Switch Pro à ton avis, car j'aimerais bien acheter une Switch. Mais si un autre truc sort, je vais être deg. Bah honnêtement, non, je pense que la Switch va encore perdurer longtemps. Après, est-ce qu'il y a une Switch Pro ou un truc comme ça qui va arriver? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Switch va durer encore un petit moment, ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude, ouais. La Switch, c'est la console de Nintendo pour les 3 prochaines années au moins. Après, est-ce qu'il va y avoir une Pro? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Probablement avec Breath of the Wild 2 ou quoi. C'est probable. Tout est possible. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une nouvelle console autre que Switch. Genre, si c'est une nouvelle console, ce serait une Switch Pro. Il n'y aura pas une autre console dans les 3 prochaines années, c'est sûr. C'est sûr. Je vais peut-être enlever mon anti-froid là. Je vais mettre ça. Ah, j'ai pas envie de sauter si le sanctuaire est en haut, je sais pas où il est. Oh là. Quoi? Ah. 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 C'est... Ok. Oh. Oh. Il est infernal celui-là. J'ai eu peur de pas avoir assez de flèches. Waouh, il est infernal. Je pensais pouvoir le faire avec les bombes, mais pas du tout. Ok, 22. 22 actuellement. Alors, le sanctuaire. Je sais pas où il est. Il a l'air d'être plutôt là-bas, ouais, effectivement. De toute façon, il y a la tour là, je vais la marquer. Hop, comme ça, la tour est marquée. C'est quoi cette balise rouge? C'est peut-être le sanctuaire. Ah oui!
Ah oui. Propre. Vingt-deux sur 900 et quelques, mais 999. Mais après, j'en ai 22 actuellement, mais parce que j'en ai donné. En tout, j'en ai chopé plus que 22 quand même. Je sais plus. Je crois que j'en suis à une cinquantaine, un truc comme ça. Mais ouais, il y en a beaucoup. Bah, quand on dit finir le jeu à 100%, un des trucs les plus longs et fastidieux, c'est d'avoir tous les toutes les noix, ouais. Des noix, j'en ai eu 37. Ah ouais. C'est pas beaucoup, ouais. 37 noix. D'après ce que je vois en haut à droite là. Entre calme et chaos. Entre calme et chaos. Faut vraiment que je le cinétise, mais même si je le cinétise, il va. Attends, what? Oh, nice! J'aurais bien récupéré ma flèche, j'en ai plus qu'une. J'en ai plus qu'une par contre. C'est un peu chiant. Ah non, mais j'ai qu'une seule flèche. Ah non. Ah non. Attendez, si vous voulez, je change mes... Heureusement, une fois de plus, j'ai... Une fois de plus, j'ai bien mis un, heureusement. Sinon, c'était chaud. Ok, nice. Par contre, où sont les coffres? J'avoue que j'ai pas à check, hein. J'ai pas de check où sont les coffres. Pourquoi j'ai cette arme de main d'ailleurs? Ouah. Oh. Ok, une boule ici. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Est-ce que je peux avancer quand même si je suis sur ça? Ah ouais. J'ai envie de faire pipi. J'ai très envie de faire pipi. Bon, avant de me concentrer un peu trop, je mets une petite pause et je vais faire pipi. J'arrive, je vous laisse avec 30 secondes de pub. Je vais faire pipi. J'arrive, ne bougez pas. À de suite. Et après, on focus et on y arrive. Hop. Et j'ai même pris le temps de me laver les mains. C'est très rare. C'est très très rare. Alors, reprenons. Reprenons, reprenons, reprenons. Donc, je peux marcher là-dessus. Je peux faire une pause là-bas. Peut-être pause cinétis passer. Oh, ça demande un timing quand même assez solide. Je peux pas. Si, il y a un coffre, il va tomber. Non, il revient évidemment. Ah, et si jamais le coffre. Bon, le coffre, je vais le ramener déjà. La boule est là, bien évidemment. La boule est là. Ok, toi, je vais juste te prendre. Je pourrais m'en servir après pour bloquer des choses, évidemment. Potentiellement. Je vais juste voir ce qu'il y a dedans, quand même. Opale brute, parfait. Alors. Ouais. Je soulève ça. Je passe là au moment. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Je te
Je te reprends. Ok, là ça va passer. Ok. Faire une petite pause ici, quoique. Mais non, après il est là, je suis complètement con. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse après, c'est que je cinétise au bon moment. Ici. Bah par exemple. Maintenant. Ah! Ah, bon, au moins je suis passé là. Au moins je suis passé là. J'attends juste la petite pierre et ça passe. Mais putain, quel con. La grosse pierre, c'est pas grave. Mais pourquoi? Ah non, j'appuie sur... Oh. Oh, insane. Oh, insane ce que je viens de faire. Ok. Salut Vince, billet d'absence complètement signé là-dessus. Alors, donc je vais refaire ça. Waouh, j'ai cru que j'allais la pousser. Donc là, j'avance. Oh, je peux même peut-être le faire là-dessus. Non mais pourquoi je m'obstine à chaque fois? Tu as le temps, Ponce. Non mais arrête. Le petit est trop petit pour moi, je pense. Salut à Didino. Je vais pas faire le petit. Je vais juste attendre un gros et je vais faire ça safe. Voilà, lui. Un gros qui est en plus mis pas tout à fait droit, du coup, bah, encore plus de surface couverte. Allez, allez. Nice, ok. Et là, on joue juste au foot, en fait. Bon, ça ouvre ici très bien, mais le truc, c'est je sais pas s'il y avait d'autres coffres. La boule. Est-ce que la boule est sérieuse avec moi, ou... Yes. Cool. Bavard. Salut Jean-Jacques Goldman, je dois attendre une semaine avant d'avoir mon Twitch Prime. Non mais en vrai, pour ça, ne vous en faites pas maintenant. C'est plus... En fait, même si vous recevez, vous perdez pas votre badge. Même si vous recevez, pardon, plus tard, vous ne perdez pas le badge. Donc c'est... Honnêtement, c'est propre. Il n'y a pas de problème, c'est pas très grave. Bon, t'as juste pas les émotes, quoi. J'avoue que tu... En attendant, c'est chaud, quoi. J'ai tous les coffres. Hein. Salut Papam TV. T'es juste pas une fleur pour l'instant. Ça fait un peu mal, mais pour le moment c'est ça, ouais. Salut Kratain. Salut Legendary. Je suis là pour un live insane là-dessus. Vous êtes tellement de fleurs à parfois bah, pas avoir le temps de passer sur les lives. Vous n'avez pas le temps de passer sur les lives. Et du coup, vous regardez les rediffs et vous arrivez, vous êtes en mode « Oh la gars, j'ai chopé le live en cours, c'est insane !»